Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment enlever du bruit dans nos vieilles vidéos d'archives que l'on va chercher au fond des placards qui ont été tournées avec les standards qui n'étaient pas encore la haute définition d'aujourd'hui. Et voilà, ce sont des images qui sont un peu vieilles et souvent il y a du bruit dessus. Et ce bruit-là, on voudrait essayer de s'en débarrasser le mieux possible, le plus possible. Comment faire? J'ai une solution qui m'a été soufflée par Godefroy. Donc on va l'essayer là sur une vieille image qui date de 1989 que j'ai retrouvée, qui est une image de moi, qui est une image assez rare parce qu'en fait, comme je suis souvent derrière la caméra, c'est vrai que je suis rarement devant. Et vous voyez, c'est une image qui est quand même pas mal esquintée, hein. Regardez le niveau de bruit. C'est une image qui a été filmée avec un appareil qui n'était pas encore digital. L'image était, le son était digital, mais l'image était encore analogique. C'était une caméra HI8. Vous avez peut-être, les plus anciens d'entre vous ont connu ça. Pour l'anecdote, la personne qui filme ces images, hein, en fait, était candidate à l'élection présidentielle, la dernière. Je vous dis pas qui, mais voilà, je vous dis juste ça pour l'anecdote. C'était quand même quelqu'un qui était candidat à l'élection présidentielle, hein, la dernière, attention. Voilà, ce n'était pas un caméraman, hein, normalement c'était moi le caméraman. Voilà. Et alors, on va essayer, parce que là, vous voyez, c'est bien joli, mais l'image, elle est quand même une qualité catastrophique. On va essayer de la réparer avec Neat Video. Neat Video, une fois qu'on l'a acheté, c'est un plugin qui vaut 49,90 $ si c'est un usage familial, home, et ça coûte le double à peu près, donc 100 $, 99,90 $ si c'est un usage pro. C'est à vous de déclarer si vous en ferez un usage personnel ou professionnel. Donc j'ai mon image ici, vous voyez, qui est très abîmée. Je vais aller chercher le plugin dans mes filtres ici, à la rubrique ici, Neat Video, MN, Neat Video, et ça s'appelle Reduce Noise. Et regardez, hop, je l'applique, pam, sur mon image. Pour le moment, on peut pas dire que c'est un effet extraordinaire, mais regardez ici, dans Reduce Noise, je vais faire Open Window, Select to Open, pouf, l'interface de Neat Video. Alors ici, maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est sélectionner une zone dans laquelle il y a du bruit, mais rien d'autre. C'est-à-dire dans laquelle il y a aucune autre information que le bruit. Ça pourrait être une zone, par exemple, ici, où j'ai un petit peu de mon escalier, mais il ne faut pas que je déborde ici sur le bord, voyez, parce qu'il faut que j'ai que la zone où il y a du bruit pour qu'il puisse sélectionner en disant ça c'est du bruit et rien d'autre. Donc ça va pas aller parce qu'en fait la zone n'est pas assez grande. Et quand c'est rouge comme ça veut dire c'est pas assez grand pour que je puisse le faire. Je peux essayer cette zone-là d'obscurité. Voilà, regardez, hop, ça commence à être pas mal. Il doit pouvoir faire quelque chose avec ça. Je peux aussi dans le noir ici aussi, en disant voilà, ça c'est une zone qui est assez grande. Et vous voyez, plus la zone est grande, plus les bords de contour orange sont grands. Et quand c'est vert, ici, il dit, ouais, super, là, tu as réussi à trouver une bonne zone. Le problème, c'est que là, la bonne zone, elle n'est pas homogène, puisque j'ai du noir et du blanc. Et il faut que j'ai qu'une zone dans laquelle il y a du bruit, mais qu'il soit une zone homogène, comme ça. Donc ça, je pourrais faire ça. Je pourrais aussi prendre une partie du visage, comme ça, qui est peut-être plus représentative de mon image que la zone noire de l'escalier. Donc je vais peut-être prendre ça, regardez ici, parce que finalement, c'est orange, donc ça veut dire que c'est bon. Et je prends ça et je fais auto profile avec ça. Et donc, yes. Et maintenant, je vais aller voir. Je me bascule ici dans Noise Filter Setting pour voir ici. Regardez, j'ai mon filtre qui est appliqué ici sur l'image. Et si je veux voir avant, après, je clique. Regardez, avant. Regardez la différence. Et bon, je fais ça, je sélectionne pas. Mais avant, après. Filtered ici, après. Ou alors, je trace une zone pour dire, voilà, ça c'est une zone dans laquelle, là, il n'y a rien. Et là, le filtre, il est appliqué. Il est appliqué. Regardez, je fais une zone où le filtre est appliqué. Regardez là au milieu, c'est appliqué. Et ici, c'est avant, c'est après. Donc, allez pour regarder avant, après. Là, c'est pas appliqué. Là, c'est après. Ça permet de voir comme ça facilement. Sur l'escalier, on le voit bien ici aussi, avant et après. Regardez là. Ici, bruité. Ici, sans bruit. Et on voit que c'est assez. Alors, bon, si là, effectivement, j'aurais dû manger. On peut zoomer pour voir mieux. Mais regardez ici, comme ça. Je vois mon avant-après qu'effectivement, bon, alors ça me blurre un petit peu l'image, hein, mais ça, voilà, il n'y a pas de secret, hein, pour enlever les bruits, il va falloir que je mette un peu de blur. Mais je trouve que, bon, voilà, l'image est quand même assez bien rendue comme ça. On peut jouer, hein, sur la réduction du bruit ici. Alors, on est à 100% et ici on est à 0%. Par défaut, il me le met à 60, mais regardez, on peut jouer, on peut s'amuser à dire, voilà, peut-être que je serais mieux à
40 ou 45, ou voilà. Sur la luminance surtout, sur la chrominance du bruit, on peut le faire aussi, mais ça généralement change pas grand-chose. Et sur le sharpening aussi, on peut jouer, mais vous allez voir que là, dans mon cas, c'est rare. Hein. C'est vraiment sur les bords normalement que ça joue. Là, ça fait pas grand-chose. Donc là, voilà, je suis pas mal à 45, peut-être 50%. Là, je suis pas mal. Je mets un peu de flou, mais j'enlève quand même pas mal de ce qui faisait le bruit sur mon visage notamment. Et donc, je fais apply à ce moment-là parce que je suis content du noise filter setting et du Device Noise Profile tel qu'il est actuellement. Donc voilà, c'est une manière d'appliquer la chose. Donc là, vous voyez, voilà, c'est appliqué. Je vais faire un rendu ici pour que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, c'est calculé. On va relire cette vidéo pour voir. Et vous voyez que... Ah ben voilà, c'est quand même pas mal. Hein. Par rapport à ce qu'on avait avant, je me rappelle l'avant-après, je vous montre ici. Reduce Noise, je l'enlève. Paf! Voilà ce que j'avais au début. Et regardez ce que j'ai après. Hein, en dynamique, c'est pas mal ici, c'est quand même efficace. Maintenant, on va venir sur cette autre image ici. C'est une image qui a été filmée en 90 avec je ne sais pas quel type de caméra, mais vous voyez, il y a pas mal de bruit. On le voit ici, on le voit là. Enfin, c'est une image bien bruitée. Alors, de la même manière, je vais appliquer Reduce Noise ici. Et on va de la même manière entrer dans l'interface graphique de Neat Video. Et là, je vais choisir une portion de l'image. Alors, je l'ai peut-être mal sélectionné avant mon image. Il faut que je prenne une image dans laquelle je me dis, tiens, quelle zone je vais prendre? Parce que là, c'est compliqué. Il n'y a pas grand-chose d'homogène. On va regarder dans l'image et on va essayer de prendre une partie. Là, par exemple, ici, je m'arrête sur cette image parce que je sais que sur cette zone-là, ici, je vais peut-être pouvoir prendre cette zone-là pour analyser le bruit. À moins que je prenne ça ici. Mais bon, ou ça ici. Mais bon, voilà, ça, ici, il y a des pans de chemise, donc c'est pas homogène. Ici, c'est assez homogène, mais c'est pas très grand comme zone. Ou alors, sinon, qu'est-ce que je peux aller prendre? Il y a ça. Bon, on va voir ce qu'il nous propose par défaut ici. Je me mets là et je fais ici Select to Open. Hop. Qu'est-ce qu'on me propose par défaut si je suis Auto Profile? Par défaut, si je fais No. Regardez ici, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose la zone avec les briques. Alors c'est bien beau la zone avec les briques, mais j'ai le noir, enfin bon, la forme des briques qui fait que ça va pas être terrible. Donc je vais essayer autre chose. J'essaye le haut du t-shirt ici, comme je pensais, voilà, comme ça. Ça va pas marcher, je trouve que c'est pas suffisant. Je vais essayer avec la chemise ici, est-ce qu'il me dit que c'est mieux? Autoprofile, et je fais yes. Alors maintenant je vais Noise Filter Setting. Et on voit l'effet filter. Si je veux voir un avant-après, je fais ça. Et je vais zoomer avant comme ça. Voilà. Donc, hop, qu'est-ce que ça dit? Une fois filtré. Vous voyez, le avant-après, ouais, c'est pas trop mal. Sur le visage, c'est pas mal aussi. Ouais. On va dire que c'est pas trop mal. Mais, d'abord, vous vous souvenez que je peux ici jouer dans mon côté là, j'ai rien, là je suis à fond sur ma luminance comme ça. Il y a d'autres outils. Regardez, si je fais Tools ici, je peux faire Standard. Je suis sur Standard Mode, je peux faire Advanced Mode. Là j'ai des réglages plus pointus. Alors vous voyez sur le Noise ici, je peux régler plusieurs niveaux de bruit, les hautes lumières, moyenne lumière, basse lumière, etc. Mais il y a surtout autre chose que je peux faire. Je retourne ici à regarder les petites courbes qui sont là. Pour le moment, ce sont des courbes qui me donnent les trois composantes lumineuses, le rouge, le vert et le bleu, mais je peux les isoler. Et regardez, quand c'est blanc ici, c'est que la zone d'analyse, la zone que j'ai prise ici, me dit qu'elle a analysé ce niveau de luminosité des rouges. Hein. Ce niveau là au milieu des verts, c'est là où c'est pas jaune, hein, c'est la partie verte, et ce niveau des bleus, celui-là et celui-là, mais pas les autres. Et c'est peut-être là que je peux peut-être faire un effort. C'est alors ce que je peux faire, c'est aller chercher d'autres parties de l'image. Par exemple, ici je vais revenir dans mon image ailleurs, et je vais par exemple sélectionner la partie blanche que je voulais sélectionner au départ ici. Je la sélectionne, cette partie-là, comme ça. Et pour l'appliquer ici, je fais ça, je clique ici sur Manual Fine Tune. Et là, vous voyez, j'ai une autre zone qui va être alignée un petit peu en empreinte de bruit, puisque c'est ça que je cherche, c'est à trouver une empreinte de bruit qui soit bien représentative de toutes les composantes de mon image. Dans les verts, par exemple, je fais pareil. Je prends ici. Mais c'est vrai que c'est plutôt dans les rouges ici que c'était fort.
Et voyez ici, donc j'ai une zone qui a été mieux alignée, puisqu'ici maintenant j'avais deux rectangles qui étaient en rouge. Ici j'en ai trois maintenant. J'en avais un en vert, j'en ai deux maintenant. J'en avais deux en bleu, j'en ai trois maintenant. Je vais essayer de trouver une autre zone, par exemple, pourquoi pas celle-là en rouge ici. Alors je vais prendre une petite zone dans laquelle c'est homogène, ici comme ça, voilà. Et je l'ajoute ici. Et je vais regarder maintenant dans mes rouges, regardez, dans les hautes lumières rouges, hop, automatiquement. Le bruit, il a pris une autre forme, il a pris d'autres composantes. Et je vais comme ça multiplier les exemples pour essayer de multiplier les références. Par exemple, je vais aller prendre une zone ici, hop, ici comme ça. Voilà. Je l'ajoute. Et je me dis, voilà, ici, regardez, qu'est-ce que ça donne? Ça me donne d'autres références. Et pour finir, maintenant, j'ai plus de références. Si j'applique ici maintenant mon profil, il va être meilleur, on va dire, voilà. Et ce profil, si j'ai d'autres plans auxquels je veux l'appliquer, ici, je peux l'enregistrer, le profil que je viens de créer ici, parce que quand même, j'ai pris du temps à le régler couleur par couleur, etc. Je peux m'amuser je peux l'enregistrer ici. Donc, je fais ici enregistrer. Save Current Device Noise Profile as. Et je l'enregistre et je vais l'appeler, par exemple, Music 1. Parce que c'est mon premier profil enregistré. J'en avais enregistré un en faisant un test tout à l'heure qui s'appelait Test 1. Je l'enregistre ici. Je pourrais l'appliquer à un autre plan en allant le chercher ici. En disant, hop, j'ai un plan, je vais appliquer le profil d'empreinte de bruit, je prends celui-là. Voilà. Maintenant, j'applique ça à mon image. Et vous voyez ici que mon image est bien meilleure. Si encore une fois, je fais un avant-après, avant la réduction de bruit, après la réduction de bruit. Vous voyez que j'ai une image qui est d'une qualité quand même bien meilleure à ce que je pouvais avoir au départ. Alors, il y a des petits réglages qui se font ici. Il y en a notamment ici trois. Il y en a un, c'est Adaptive Filtration. Adaptive Filtration, c'est une chose qu'il faut cocher si on a une image qui est en mouvement, c'est-à-dire qu'il y a de gros mouvements de panne pote, de caméra. Là, c'est pas le cas, on peut pas dire que ça bouge énormément, donc j'ai pas envie de l'activer. C'est quelque chose qu'il faut activer si vraiment l'image bouge, qu'elle part d'un endroit et qu'elle va à un autre, et parce que ça sera une adaptation, il y aura une meilleure synthèse d'un réglage sur l'image d'origine au réglage de l'image d'arrivée. Le passage de l'un à l'autre sera plus doux avec Adaptative Filtration ici. Les autres réglages ici, c'est Temporal Threshold. Alors là, c'est pareil, c'est un réglage de 1 à 100 qui va dépendre également du fait que ça bouge ou pas. Ici, ça bouge quand même un petit peu, donc je vais le mettre au milieu. Sur ce plan-là, ici, vous voyez, au début, ça bougeait pas vraiment beaucoup, donc c'est pareil. Bon, enfin bref. Il y a Temporal Radius ici. Alors, Temporal Radius, s'il est à 1, ça veut dire que pour analyser le bruit, le logiciel analyse l'image sur laquelle on est, l'image d'avant et celle d'après. Et elle dit, en fonction de ces mouvements, le bruit, il est là et pas là. C'est-à-dire qu'une empreinte, si on a fait une empreinte, on dit d'une image à une autre, je vois ce qui a bougé et je me dis, tiens, si ça a bougé, c'est que ça faisait partie de, pas le bruit, mais de l'information, de l'image qui bouge, et ça faisait partie du bruit. Donc, si ça bouge pas du tout, on peut le laisser à 1, c'est pas grave, mais si c'est une image ici, si on passe à 2, c'est deux images. Ça veut dire que je vais analyser l'image actuelle, deux images avant, deux images après, pour voir qu'est-ce qui a bougé dans la composition, et donc j'en déduis ce qui n'a pas bougé, c'est le bruit, ce qui a bougé, c'est l'image. On peut aussi le régler à 3, pareil, on peut, mais surtout, si on a quelque chose, si on veut quelque chose de beaucoup plus précis, on le règle au maximum à 5. C'est mieux. Maintenant, ce sera plus long à calculer parce qu'il va calculer 5 images avant et 5 images après et l'image du milieu en disant qu'est-ce qui a bougé entre les deux. Et j'en déduis que le bruit, c'est ce qui n'a pas bougé entre les deux. Donc voilà, c'est plus de calcul, mais c'est une meilleure qualité. C'est à vous de voir dans le compromis. Ça améliore un tout petit peu, hein, faut pas non plus rêver. Mais voilà, si vous avez du temps et une grosse bécane, il vaut mieux être sur 5. Si vous avez moins de temps et que surtout vous êtes une configuration qui est moins riche en mémoire et en carte graphique et tout ça, il vaut mieux être sur 1. Et Temporal Threshold, c'est pareil. Ça applique, alors regardez ici, on voit à la main, hein, ici, regardez, hop, je vais me mettre ici par exemple, si je suis sur 0, on voit ici, et si je suis sur 100, on voit ici que ça bouge un petit peu. Donc entre les deux, faites vos courses, j'ai tendance à dire que moi honnêtement, j'y touche pas trop. Et le temporal radius, je le mets à 3 en disant voilà, c'est au milieu. Je fais un petit rendu de tout ça. Voilà donc Neat Video qui fait des merveilles et qui rend net vos vieilles vidéos.
C'est un plugin qui vaut entre 50 et 100 dollars selon que vous déclariez que vous êtes amateur ou professionnel, et je trouve vraiment que c'est un plugin qui vaut le coup largement. Merci, à bientôt. Et au fait, ah oui, je vous disais, qui a filmé ce rush de moi il y a 25 ans, un candidat à la présidentielle? Je l'ai remonté le rush au début et je vous laisse regarder. Et à vous de voir qui est-ce. J'ai l'impression que si t'as une petite lumière rouge, c'est que t'enregistres. Là, t'enregistres. Oui, j'enregistre. Tu peux appuyer parce que ça va pas être génial. Merci et à bientôt.